Bonsoir à tous et bienvenue sur France 5. Quel plaisir de vous retrouver, surtout le vendredi avec l'équipe de choc. Quoique. Emmanuel Maubert, bien sûr, Jérémy Michalak, Philippe Godin, Mathieu Noël nous rejoindront dans un instant. Et voici ce que je vous propose au sommaire ce soir. Philippe, justement, recevra dans un instant Lucie Carrasco, cette créatrice de mode qui est d'ailleurs en fauteuil roulant, se trouve dans une situation alarmante depuis qu'on lui a supprimé toutes ses aides. Nous tenterons de comprendre pourquoi. Le témoignage de la semaine. Moi, je dors côté toi. Allez, un témoignage étonnant, le témoignage d'une Française qui réussit à l'étranger et qui compte bien continuer. Un témoignage d'une personne qui faisait même la une des journaux américains il y a quelques années. Elle s'appelle Lucie Carrasco. Regardez, c'était sur CNN. En fait, Lucie Carrasco, elle est styliste. Elle est originaire de Lyon. Elle a une ambition, traverser les États-Unis d'est en ouest pour réaliser au final un défilé de mode avec ses modèles. Seule particularité de cette jeune fille, vous le voyez, c'est qu'elle est en fauteuil roulant et son handicap qu'il n'avait à présent jamais arrêté dans ses projets, et bien aujourd'hui, sonne comme un coup d'arrêt. Et justement, Philippe, les médecins ne lui donnaient que 3 ans à vivre. Aujourd'hui, elle se bat pour aller au bout de son projet. Elle ne baisse pas les bras. Lucie Carrasco, bonsoir. On s'était rencontrés, je vous le disais, il y a quelques années, nous deux, à Lyon, lors d'un très bel événement. Bienvenue sur ce plateau, Philippe. Bonjour, merci d'être là. Alors, c'est Jérémy, on va tous dire, qui nous a parlé de vous, qui nous a dit... Faut la faire venir, elle est super. Et c'est vrai, quand on regarde votre histoire, on se dit que c'est assez étonnant. On va revenir sur les projets que vous avez ensemble. Et d'abord, on a envie de parler de votre carrière professionnelle, parce que vous êtes styliste et ça marche plutôt vachement bien. Ouais, je suis créatrice de mode, en fait. Ouais. C'est presque pareil. C'est pas pareil. D'accord, première boulette. Moi, je suis cerveau, en fait. Voilà, mais oui, ça fait 13 ans maintenant que ça ne nous rajeunit pas. Ça fait 13 ans qu'on s'est vu à Lyon. C'est et dingue, hein. Que j'ai... décidé de me lancer vraiment à fond dedans. Et ça marche plutôt bien. Ça marche. Ça a du mal à décoller en France. Et au contraire, aux États-Unis, ça intéresse parce que l'handicap n'est pas du tout un frein à l'ambition, bien au contraire. Alors justement, parce qu'on voyait le reportage de CNN tout à l'heure qui vous avait consacré un sujet, vous dites que ça marche moins bien en France. Pourquoi c'est si compliqué en France, plus qu'aux États-Unis, par exemple? J'aimerais bien le savoir, mais c'est vrai que... J'ai simplement constaté, hein, c'est pas, je veux pas revendiquer quoi que ce soit ou dire que c'est mieux ailleurs, mais là, pour le coup, pour moi, en tout cas, c'est mieux ailleurs. J'ai eu le premier entretien d'embauche de ma vie à 29 ans aux États-Unis, j'en ai jamais eu en France. Parce que le regard des gens est pas le même, c'est ça qui change? Oui, parce que pour eux, je dis souvent, mais c'est l'anecdote, c'est la première fois qu'on m'a dit bonjour, bienvenue. Voilà, en France, c'est « Ah mince, comment on va faire ? Bon, on va trouver une solution. » Il y a une espèce de gêne tout de suite. Ouais. C'est un problème. Aux États-Unis, ce n'est pas un problème. Ça peut être un plus même. Ce n'est absolument pas un frein, ni à la créativité, ni à quoi que ce soit. Je pense que c'est une question d'état d'esprit et ce n'est absolument pas comparable. Donc, Alors, il y en a qui ont du mal à oublier votre handicap, visiblement, dans votre histoire. C'est les banquiers, notamment, parce que vous êtes une créatrice, quelqu'un qui veut entreprendre. Et on a tendance à vous fermer la porte au nez en disant « Vous n'y arriverez jamais, en gros, c'est un peu ça ?» C'est un peu ça. Ben, de toute façon, quand on veut, si je veux monter mon entreprise ou avoir une boutique, ben, il faut un prêt quand on n'a pas d'économie. Et à la banque, on me dit, un prêt pour vous, sur combien d'années? Non, ça ne va pas être possible. Vous êtes malade, genre si vous claquez dans l'année, si jamais... c'est ça, on va pas prendre de risques. Non, c'est dit très, très gentiment, mais c'est absolument impossible, vraiment. Et alors, on voit que la situation est compliquée avec les banquiers, mais alors elle est compliquée aussi avec l'administration en règle générale, puisque vous êtes aujourd'hui dans une situation financière compliquée. En gros, vous avez fait un livre en 2010 qui avait plutôt bien marché. Vous avez reçu des droits d'auteur, 3000 euros, pas non plus. C'est ça, sur une année. Voilà. Et en fait, il y a eu à ce moment-là erreur de l'administration, ou en tout cas mauvaise compréhension, et vous n'avez plus d'aide là depuis quelques mois, vous n'avez plus rien pour vivre, c'est bien plus ça? Plusieurs mois, non, j'ai plus d'allocation de logement, plus de... parce que j'aimerais bien vivre de mon métier, mais justement, on l'a évoqué, je n'en vis pas pour l'instant, donc je vis. Voilà, et en fait, ce que j'ai du mal à faire comprendre à ces administrations, c'est que je ne voyage pas aux États-Unis pour faire la belle ou pour me faire plaisir. Je vais parce que c'est le seul endroit où je peux travailler, c'est le seul endroit où je peux gagner de l'argent. Et justement, ne plus dépendre de l'État, je ne veux plus être à la charge de l'État, je vais me débrouiller toute seule. Mais c'est le seul moyen, c'est de partir là-bas et on me dit, vous avez la grande vie. Non, non, je n'ai pas la grande vie, j'essaie juste de m'en sortir et j'ai décidé d'avoir une vie autonome, entre guillemets, c'est-à-dire de vivre dans un appartement avec mon mec et de ne pas être dans une institution. Je me suis battue pour en sortir et aujourd'hui, voilà, j'ai plus de logement, je suis un peu SDF, je suis à droite, à gauche. Mon compagnon a dû, il a le malheur en plus de ne pas être français, donc pour avoir des aides, c'est encore pire.
Et du coup, là, on est séparés pour plusieurs mois. Mais votre volonté d'indépendance, c'est un peu compliqué pour l'administration à comprendre. J'en paye le prix aujourd'hui. Alors, on a voulu essayer de vous aider. On a appelé le ministère chargé des personnes handicapées, qui est rentré en lien avec le Conseil général des Bouches-du-Rhône, puisque c'est eux qui gèrent votre dossier, qui visiblement sont prêts à vous recevoir, à discuter avec vous, qui ont envie visiblement que la situation se règle. Donc, c'est déjà au moins une bonne nouvelle. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent faire pour vous aider? En gros, il faut taper mon nom sur Google et aller acheter mes robes ou faire des dons, parce que j'ai monté l'association. D'accord, donc ça c'est sympa. Il faut faire des dons à mon association pour que je puisse partir et faire de beaux vêtements et en plus peut-être les vendre en France. D'accord. Et c'est là que Jérémy essaiera d'accompagner le projet à travers les États-Unis pour faire ce défilé. Oui, c'est un projet qu'on a ensemble depuis un an. C'est Lucie qui m'a contacté. On se connaissait absolument pas il y a encore un an. Et qui m'a dit, tiens, j'ai un projet complètement dingue. C'est traverser les États-Unis en fauteuil roulant de New York jusqu'à Los Angeles pour y faire un défilé de mode. Et je me suis dit, elle est complètement cintrée. On s'est rencontrés. Je trouve un personnage complètement dingue et du coup, forcément très attachant. Et qui, en plus de ça, je trouve, permet d'avoir un regard et un éclairage hyper différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur le handicap. Ouais. Et ça, c'est important de le dire. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer de faire justement un documentaire à la télévision sur ce périple, sur cette traversée des États-Unis, sur ce road trip, quelque chose qu'on essaie de vendre depuis maintenant quoi, un an à toutes les chaînes de télé, et toutes les chaînes de télé nous disent les gens en fauteuil roulant ça ne fera pas d'audience. Donc une fois qu'on t'a répondu ça, si tu veux, c'est un petit peu compliqué, mais on perd pas l'espoir. Moi, je garde malgré tout l'envie de le faire. Aller sur le site de Lucie effectivement pour aller acheter vos créations, Lucie, et du coup vous aider par les merci vacances. Vraiment à Jérémy, c'est ça, c'est cinglé pour y croire aussi. Et on sait, nous, qu'il est cinglé. À part qu'il s'habille mal, franchement, il est génial. C'est lui qui fait rhabiller d'abord. Je porterai des choses la prochaine fois. Bonne chance. Et plein de réussite encore plus. Merci beaucoup, Lucie. Merci, Lucie. J'avais invité. On finit. C'est moche. C'est normal. C'est pour ton bien.